Et salut à tous et à toutes, c'est Alizéat, on se retrouve pour le let's play de Tomb Raider. Donc on est le 4, j'ai réussi à l'activer. Un ami m'a activé par VPN, tout ça pour pouvoir jouer en avance au jeu. Et on va se lancer sans plus attendre. Donc nouvelle partie en difficile. Non. Bon, y a un petit décalage, tant pis. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Triangle du dragon! Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne des frissons. Alors ça commence très fort en tout cas. Je m'y attendais un peu. Passe de joyeuses vacances. Elle a perdu les entraînements. Il y a des blessés. Et je savais que ça allait arriver. Mais où sommes-nous? Venez nous aider. Comment allons-nous faire de moi, Clara? Jonah! Hey, bitch! Oh! Ah bon? Bienvenue sur l'île, motherfucker. Je crois qu'on a la tête à l'envers. Ok, on est pendu comme un gibier. Yo, bien, sac à patate. Cristal de la mix. Et bah la chère Lara, toujours dans la merde. On dirait qu'elle aime bien ça. Donc c'est la refonte, enfin la refonte, c'est le rework de la série complète. Notre Lara et jeune. Allez, balançons. Jonah, allez. Alice, aidez-moi. Allez. Ah bonjour. Je peux pas mourir comme ça. Il faut que je me libère. Vite, le feu à la corde. You. Come on. Ça va faire mal. Voilà. Presque. Allez. Voilà, c'est bon. Aïe. Ah, c'est quoi ça? Ok, c'est œuf.
Oh putain, ça commence sévère. Ok, donc là c'est moi. Allez. Ah bah carrément pas en forme la petite hein. Oh mon dieu. Oh. Non. C'est quelqu'un d'équipage, je suppose. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qui êtes-vous, madame? Une torche. Vas-y, balance. Merde. Quel boucan! Comment on s'accroupit? Mince. Maintenez. Allez, c'est parti. Emmenons-nous dans des grottes pendant que les méchants, je sais pas qui, on va les tendre. Oh non, il a dû m'entendre. C'est pas vrai. Appuyez sur A pour examiner votre environnement. Ok, donc faut que je te fasse ça, je suppose. Voilà. Ah oui, mais ça va. Allez, burn, baby, burn. Ça va faire une explosion de fou là-bas, là. Non, faut pas sauter. Ça va péter, fight. Fire in the hole. Ok, donc ça coupe toute seule. Oh! Ah, lâche-la! Reviens! Reviens! Je veux juste m'aider! C'est fini! Ouais, tu veux juste m'aider, ouais. Va te faire foutre! Reviens! Ta gueule! Allez, faut que j'avance! Mais si! Super agréable ces grottes avec ces squelettes là. Donc le feu il est bien fait sur le plafond. Allez la rinounette. Une volonté de faire, trouver une sortie. Ah, c'est pas vrai. Si c'est vrai. Donc, il y a plein de bidons explosifs là. Il faut que je sois ici. La sauce. Non, je sais pas. Ah, du feu. Merci mon dieu. Ah là. Exact. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Allez, on va ramasser. Quoi ce truc? Bon, on va aller là-bas voir. Alors là, il m'indique les caisses. Mais je sais pas trop quoi. F pour pousser. Aïe! Ok, donc ça fait rien. Je peux prendre des caisses. Ah, je peux prendre une caisse. Viens là. Ah non, je peux brûler les caisses. Si je brûle ça, ça fait quoi? Ça fait que la caisse va péter un câble. On va brûler l'autre. Ok, là ça va arrêter toutes les caisses. J'enflamme les caisses avec quoi. Beaucoup d'interactions avec le feu en tout cas. Hein. Ah, ça fout le caisse, enfin ça fout le feu aux autres caisses. Ah, la note qu'on va sauter. Yeah! Yeah! Ok!
là on va pousser, ça va plonger en bas, ça va pas exploser les caisses en feu là. Et on va pouvoir passer. Allez. Oh là là, comme je suis beaucoup trop fort. Toujours aussi fort cette Lara. Ok, il y a tout partout. Mayday, mayday. Je vois la lumière. Aïe. Aïe. Cours Lara. Oh merde. Ah. C'est bon. Ça passe easy money. Allez. T'as encore là toi. Non. Ah. Fais-moi la maline Lara Croft. Hein. Ouais mais j'ai pas appuyé sur E. Moi si c'est pas marqué E j'appuie pas sur E hein, je suis désolé hein. Donc on refait la scène. Juste là de toute façon. Bon le violeur là, tu te casses. Ah mais j'ai. Ah. En plus c'est moche de l'avoir mourir quoi. Ah bordel. Appuie sur. Ouais ouais ouais. J'appuie sur eux, c'est la pire. C'est pas eux en fait. Ah c'est pas eux d'accord. Ou alors faut rester appuyé, je sais pas. Ah j'aime pas voir sa tête écrasée par le rocher, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal dans mon petit cœur. Je vais rester appuyé là, quoi. Faut j'appuie sur toutes les touches en même temps, allez c'est parti. Voilà. Non, non, toujours pas. Pourtant c'était marqué. C'était marqué bon. Le rouge, c'est bien le haut, on est d'accord. J'ai fait ça depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas eux, j'arrête avec cette touche de merde. Ah, vas-y, arrête de mourir. Qu'on se merde. Je vais essayer de clic gauche. Bordel. Allez là, live. Et s'il me lâchait lui aussi là. Voilà. Oh mais dingue. Je vais mettre les options, voir s'il m'aide avec les touches. En plus on se tape un changement à chaque fois, c'est un truc de fou ça. Ça sert à rien pour aller tourner, bah. Non, pousse. Pousse, s'il vous plaît. Alors. Bah ouais ok mais comment on change les touches. C'est peut-être pas là-dedans. Non. Graphisme, assigner les touches, voilà. Sauter, ça doit être ça. Je sais pas. On a ça, on a quoi. On a F. Donc E c'est pas ça, on a F. Je crois que c'est F. Frapper au corps à corps, ça doit être ça, ouais. Le frapper, le mec qui nous tient la chose de violeur pédophile. Je vais essayer F. Putain, des cavernes. Voilà, c'est ça. Allez, meurs. M'aider de rien du tout, oulala. Ouais, ouais, tu vas te calmer là, la grotte, hein. Non. Non. La lumière. Allez. Allez, 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 allez. Allez, vive du rocher là. Tu la vois la lumière, tu la vois. Allô. C'est compliqué hein ce premier passage, vache. J'ai déjà mal au doigt hein. Fouf. Prochaine fois je vais faire des étirements là, vous allez voir.
Et on est déjà plein de sang là. Et bah c'est pas la joie. Hein. C'est un peu le triangle des Bermudes par ici. Ou alors c'est le triangle des Bermudes simplement. Vu qu'on était dans le triangle du dragon. Ça va être ça peut-être. Ouais super, c'est vachement le moment de gagner d'XP là, il y a un panorama, ok. Allez. Oui. Ok, on va continuer. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Ouais bah moi j'aimerais bien avancer dans les terres. Et pas dans les grottes, n'est-ce pas? Oh, encore un truc d'habilité, super. C'est marrant. Ok. Doucement. Bah alors doucement, arrêtez de me faire tapoter les trucs comme des fous, là. Non, 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 non. Non. Lara, Lara. C'est pas moi, je suis innocent. Avec ta queue de cheval là. Non. 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 Allez, saute, saute, saute. Allez. Tiens, pour une fois dans un jeu, quand on passe un truc. Enfin, d'habitude dans les jeux, on passe un truc comme ça, le machin il s'effondre et tout après. Là, non. Allez, c'est easy money là. Voilà. Donc elle a du courage la petite, hein. Lara Croft. Waouh, ok d'accord. Ok. Je peux y arriver. Hop, 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 hop. Oula. C'est là que je peux me sauter. On dirait. Ok, donc la main c'est eux. Ok, sauter. À droite. Allez, Jean-Pierre. Allez, allez. Oh. Ok, j'ai du mal à me faire les, avec les logos. Hein. Ça viendra avec le temps. Oh, alors pour pas la gueule. Ok. Continue. Oh, pas tomber. Pas tomber. Pas tomber. C'est le genre de truc que je tombe tout le temps, bref. Ok, la dernière mur. Ok. Hop là. Double saut. Easy money. Le sac de Sam. Aïe. Y'a quoi dans le sac? Oh mon dieu, Sam, un cocktail fraise! Ils ont dû passer par là. Ah bon? Et là. Tadadam! 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 Sam? Ross? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bonjour, Magdrive, j'aimerais prendre votre commande s'il vous plaît. Émetteur récepteur, une nouvelle équipement acquis. Comment? Est-ce qu'on peut le prendre en main? Non, pas cette merde. C'est cheaté ce truc là, enlève-moi ça. Ok, la carte. Donc on vient de là-bas. Sous-marrière, fermé. Suivez les traces de survivants. Très bien. Ok. Oups. Voilà, si je tombais là, ça allait. Ah bah je tombe. C'était peut-être scripté ou pas, à voir. Ah d'ailleurs j'ai plus beaucoup de sang sur moi avec la pluie. Ou alors c'est peut-être un effet d'ombre. Ah bah non, pas les loups. Ah oui, pour la petite anecdote, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec Reload.
On parlait de Tomb Raider, et moi, le premier Tomb Raider que j'ai fait, c'était Tomb Raider 3, il me semble. On commence dans la maison, où on enfermait Papy Mojo là, dans le réfrigérateur. Et juste après, la mission d'après, il me semble qu'on affronte des tigres. Et quand j'étais petit, je voulais pas avancer dans ce jeu parce que les tigres me faisaient peur. Donc il a trouvé ça marrant. Moi non. Donc Tomb Raider 3, je n'ai fait que la première mission, enfermé dans le manoir, hein, à m'amuser avec les camps et tout. Ça a l'air bon. Et bah installons-nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. Ah bah t'as pas le choix, hein, tu t'installes. Hein, t'installes pas? Si, j'allais dire. Une survivor cette Lara, une survivor, moi je vous le dis. Je sens le QTE que je vais foirer comme d'hab là, fuck. Je vous déteste. Ah non, c'est bon. Là, y'a un autre pédophile qui débarque. Et madame! Trop charmante! Passe-moi ton canal de Talk2Walkie, wesh, on va se contacter. Tellement de tension. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire, une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez. C'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, rattrape-le. Non, non, mais c'est ta chance, là. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir. Écoutez, ça. Faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est tout pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes ça sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. Tiens, bim.
Comme il l'a remballé. Je peux pas rester là à rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Quelque chose à manger, bah très bien. Mange de l'herbe. Oh, 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 une Bambi. 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 Hey Bambino. Where are you going? Oh mon dieu. Le pauvre homme. Hey, cet arc me sera utile. En effet. Allez, alors maintenant, comment on va là-haut? Non. Non plus. Là. Mais fuck you! Voilà. Alors maintenant. Yo! Je peux pas chasser à main nue. Il faut que je trouve une arme. Allez, tu l'as ton arme. Hop, tu piques kawaii. Je peux y arriver. Encore un QTE. Allez. Arrêtez. Bon. Maintenant. Voilà. Elle a tombé. Ah bah c'est sûr. Ça va, c'est qu'un cadavre desséché puis à la mort. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Comment ? Pas s'accroupir. On peut juste marcher lentement, sprinter et... Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Hello, cette putain de brebis là. J'ai l'impression de l'entendre, c'est le buisson là qui me... Allez, hop. Brebis, brebis. C'est quoi ce truc? Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici? Je cache. W pour zoomer. Très bien, mais ça me dit pas où est l'autre abruti. Petit, 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 petit. Where are you? Petit, 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 petit. Ah! Fuck. On va ramasser les flèches là, on va aller sur le toit du truc là. Hop. J'aurais pu passer par là 30 fois en fait. Ah, il est là. Non, c'est dans ma tête. Oula, un gros saut. Encore des flèches. Putain de biche quoi. Non. Hop 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 hop. Caramba. Ah. Te voilà. Ah. Prends ça! Meurs! À moi la bouffe! Aïe. Merci Seigneur pour ce repas et de m'avoir mis dans la merde. Oh, pas de une biche. Amen. Prions pour cette biche, mes amis.
soit le seigneur de ses intestins grêles. Ouvrons le bide, on ouvre le bide. Bon. Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours trouver ton chemin. Bâtard. Et le piaf, on bouffe pas. Il y a un lapin là-bas. Oh, je vais le fumer. Crève, bâtard. Oh, le fumier, je l'ai pas eu. Ah si, je l'ai eu. Comment on annule ? Annule, annule. Oh, le fumier ! Elle est où ma flèche ? Ok, là, il y a des flèches. Mais je suis complètement perdu. Le bunker, il était où ? C'est quoi, là-haut ? Ah, c'est la biche, elle m'a fait peur. Je suis perdu. Par là-bas. Ouais, c'est par là-bas. On était en haut tout à l'heure, là. Hop. Lara, la chasseuse de biches. Et de lapins. Et de corbeaux. Instinct de survie. Ah non, merci, c'est bon. Je n'utiliserai pas ce truc. Voilà, il est là le campement. Campons, mes amis. Compétences. Dépensez vos points de compétences dans le menu. Très bien. Alors, instinct animal. Une meilleure observation vous permet de repérer les animaux et sources de nourriture difficiles à trouver. Donc ça, c'est maîtrisé, d'accord, très bien. Tout ça, c'est maîtrisé ou c'est à maîtriser ? C'est à maîtriser, c'est ça ? Alors, recyclage. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Ouais, intéressant. Fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Ouais. Ok. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les caches de nourriture. Ensuite, on a quoi ? Requiert recyclage, d'accord. Niveau 1, vétéran, d'accord. On a des... Ok, ça marche. Chasseur ou chasseur ? Survivant. D'accord, on a survivant et chasseur en compétence. En vous concentrant, vous pouvez... Ok, très bien. Un bon usage de votre sac et de vos poches vous permet de transporter plus de munitions. Maîtrise 7 compétences supplémentaires pour... On va prendre ça. Avec l'arc. D'accord. Non, ben. De toute façon, on charge pas pendant 30 ans, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va prendre ça. D'animaux, les nourritures, on est venus d'XP. C'est parti. Voilà, c'est maîtrisé. Donc, il me reste 0 points. Ce que j'ai débrouillé, c'est... Expert en survie. Après, on peut re-améliorer la compétence. Non. Il n'y a pas énormément de compétences à améliorer, mais c'est déjà ça. Alors... Vous voyez le nombre de donc cir stabilisé, costaud, expert. Une vingtaine de compétences à peu près. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc ça c'est les compétences, ok, à droite, on n'a pas. On va très bien. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross ! Lara ! Tu es en vie ! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon ? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était c'est d'avancer. D'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée.
Ok. Très bien. Bon, t'as mangé là ton beefsteak? Enfin, ton beef beach. Est-ce que c'est par là qu'on doit aller ou pas? De la musique? C'était pas là ça avant. Y'a un truc là. Hé oh! Y'a quelqu'un? Y'a un truc dans le camion, je le veux. Je veux ce qu'il y a dans le camion. Voilà, ça je veux. C'est ça quoi ce truc? Commencer. Le soldat Kosuke. Il était de garde la nuit dernière. Personne n'a rien entendu. Et ce matin, on a retrouvé que son casque. Aucune trace de combat, pas de sang, pas de balles, rien. Les autres parlent de partisans chinois. Peut-être même de GI américains. Les imbéciles. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Ce sont les Oni qui nous traquent. Ces démons ont pris possession des ruines de cette île. Nous sommes des intrus. Ils nous surveillent, attendant le bon moment. Toutes ces épaves, ces ruines, toute cette île n'est qu'un cimetière. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Oni nous attaquent. D'accord, donc il y a des messages sympas à récupérer. Ah, j'en ai raté un, fuck you. Si c'est vraiment tout ça l'air de jeu, c'est... Enfin l'air de jeu. C'est une sacrée île. Et là vous savez quoi, nous on va s'arrêter là. Sur ce magnifique rocher. Là où nous avons chassé... Non, sur la voiture. Fuck. Je veux aller là-dessus. Voilà. Sur ce magnifique camion. Et on saura ce qui se trame là-dedans, la fiesta entre guillemets qu'il y a dans le bunker. Dans le prochain épisode. Donc si vous avez un petit pouce bleu, si vous aimez petit pouce bleu, si vous en voulez plus, abonnez-vous. Pour suivre le let's play, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Le Facebook dans la description et ciao, bye bye.